Eu le temps de comprendre le contenu, le fond de la dernière vidéo que nous avons fait ensemble, qui était axée autour de la polémique autour d'un personnage central dans l'histoire de la politique. Et c'est à ce moment du secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun, monsieur, j'ai nommé l'homme à la punk, comme on l'appelle si bien. J'espère que... J'espère que vous avez pris le temps de mieux comprendre cela et que les actualités, les derniers événements vous ont permis de mieux comprendre le postulat que j'avais lors de cette prise de parole. Je rappelle ici très vite quelques éléments fondamentaux qui ont marqué ma prise de parole en ce jour. Il s'agit effectivement de 2 jours déjà, donc avant-hier, où je vous disais effectivement que compte tenu de l'atmosphère politique du Cameroun, il serait difficile de ne pas penser qu'il s'agit en réalité d'un gros coup de bluff. Un coup de supercherie, un coup de distraction, comme les Camerounais aiment parfois le dire sur les réseaux sociaux. Donc, j'expliquais réellement qu'en réalité, concernant la situation du Cameroun, vu la nomenclature politique du Cameroun, il serait impossible de penser qu'on mette sur pied un mandat d'arrêté. Monsieur Fassongo, et que Fassongo étant aujourd'hui le substitut de Paul Biya, de par le pouvoir qu'elle a obtenu à travers la signature, de par la signature, le pouvoir de signature qu'il a, était devenu en réalité celui-là qui représentait Paul Biya dans la hiérarchie politique du Cameroun. Alors, vous avez effectivement vu, il y a toujours des mauvaises lectures qui continuent, mais ceux-là et celles-là qui s'engagent à continuer de vous donner ce genre d'informations, de vous mettre sur des fausses pistes, eux seuls savent à quoi ils jouent. Parce que le jeu politique n'est pas un jeu de maraboutage. Le jeu politique n'est pas un jeu de truanderie. Non, c'est un jeu qui répond à des normes scientifiques. Donc, sont les phénomènes liés à la politique sont des phénomènes qu'on peut expliquer. Voilà. Donc, concernant les derniers conflits, il y a beaucoup de personnes qui vous diront que il s'agit aujourd'hui d'un conflit. Je l'ai d'ailleurs entendu dans une vidéo que j'ai suivie tout à l'heure. Un individu qui essaie de nous expliquer qu'il s'agirait d'un conflit entre Paul Biya et sa créature. Autrement dit, un conflit entre Paul Biya et Ferdinand Gongo. C'est un mensonge. Il n'y a pas de conflit entre Paul Biya et Ferdinand Gongo. Parce que Paul Biya aujourd'hui, c'est Ferdinand Gongo. Ferdinand Gongo, c'est Paul Biya. Je vous ai donné une figure de style la dernière fois. J'ai créé en réalité un exemple pour mieux vous expliquer cela en vous disant que l'individu lambda, moi personnellement, je pourrais prendre le cas avec moi, l'exemple avec moi en disant que si aujourd'hui je suis au Cameroun dans le département de la justice et que je décide de produire un mandat d'arrêté pour qu'on aille arrêter Ferdinand Gongo, le même jour, Ferdinand Gongo peut créer un document disant que soit moi je suis renvoyé au quartier, soit mes collaborateurs sont renvoyés au quartier, question de me fragiliser, et plus tard, sous haute instruction du président de la République, avec la signature magique, je pourrais donc me voir ici, soit mis en prison, soit totalement renvoyé au quartier. Donc, il n'y a donc personne aujourd'hui au Cameroun, puisque la signature, vous ne l'avez pas vue, vous ne savez pas qui a émagé, qui aujourd'hui est derrière ce fameux mandat d'arrêter. C'est donc une fumisterie. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, permettez-moi, chers amis, chers frères et sœurs camerounais, d'entrer dans le vif du sujet de ce jour. Nous en avons déjà parlé. Ceux qui ont compris, ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, eh bien tant pis.
La vidéo qui a précédé celle dont je vous parlais tout à l'heure concernant Ferdinand Gongor, je suis en train d'introduire la nouvelle vidéo, j'espère que vous avez compris. La vidéo qui a précédé celle que j'ai faite parlant de Ferdinand Gongor était une vidéo qui vous parlait d'un processus engagé pour détruire le RDC avec deux principaux, les acteurs internes et les acteurs externes. Vous verrez aujourd'hui, vous remarquerez aujourd'hui, chers amis, que sur les réseaux sociaux, les langues se délient. Les actions sont devenues plus claires. Les Camerounais commencent à libérer la parole et plus les paroles se délient, plus la parole devient ouverte, mieux on comprend le jeu des gens. Mieux on comprend les positions des gens. Vous pouvez donc maintenant, sur l'échiquier des réseaux sociaux, distinguer qui appartient à quel réseau et qui fait quoi concrètement dans la déstabilisation du MRC, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Alors, j'ai déjà plusieurs fois eu à venir sur cette même plateforme et échanger avec vous par rapport à des thèmes importants, notamment les textes fondamentaux du Cameroun. Je vais ici citer le cas de la Constitution du Cameroun. La Constitution du Cameroun, en son article 6, alinéa 2, donne en quelque sorte les conditions de vacance du pouvoir au Cameroun. Dans cette disposition, on explique les conditions qui pourraient amener le pays, le Cameroun, pays duquel vous et moi venons, à avoir une transition liée à la vacance de la présidence de la République. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous démontrer comment l'hypothèse d'un coup d'État, j'explique, l'hypothèse d'un coup d'État au Cameroun n'est pas à exclure. Et ceci engendré par un vide malhonnêtement dissimulé dans cet article 6, alinéa 2 de la Constitution de notre pays, le Cameroun. Alors, je compte sur vous, chers amis, ce soir, pour partager avec nous cette échange, et je prie ceux parmi vous qui s'y connaissent. Je ne sais pas si ce n'est que chez moi que le son fait ça. De temps en temps, le son est accéléré. De temps en temps, le son s'accélère de façon bizarre. Je compte sur vous, chers amis, pour protéger cet échange. Je ne pourrai malheureusement pas en même temps faire le direct avec vous et gérer d'autres appareils à côté pour me rassurer de ce que notre direct se passe dans des bonnes conditions. Donc, je disais donc que l'objectif de la vidéo de ce jour sera de vous démontrer que, conformément à ce qui est écrit dans le texte, dans les textes hein, de la Constitution du Cameroun, notamment en l'article 6, en son alinéa 2, il est possible d'avoir au Cameroun un coup d'État. Depuis 2018, chers amis, vous remarquez que toutes les démarches possibles ont été engagées. Il y a un truc près de ma bouche pour que vous m'entendiez mieux. Chers amis, nous sommes dans une lutte politique. Nous sommes dans une guerre politique. Et quand je parle de guerre politique, je parle d'une lutte qui, si elle réussit, ferait perdre énormément d'argent. Nous sommes ici en termes de milliards. Raison pour laquelle il faut que vous compreniez qu'il y a des gens qui n'ont pas peur, qui ont peur en réalité, des gens qui ont peur de perdre leur richesse, qui vont donc donner tout ce qu'ils ont pour que vous ne receviez pas ce genre de message.
pour détruire la possibilité de convaincre la population camerounaise. Donc, je dis encore, depuis 2018, au soir des élections présidentielles de 2018, il s'est passé quelque chose au Cameroun sans précédent. Sans précédent parce que ça n'avait jamais existé au Cameroun. On a eu l'entrée en politique de quelqu'un qui maîtrise les rouages politiques du Cameroun. Et l'annonce de la victoire du président Maurice Kamto, le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, avant la sortie officielle des membres du gouvernement, a totalement détruit le jeu de banditisme électoral organisé par ce même gouvernement. Pour donc être sûr d'écraser cet opposant politique, pour être sûr de faire taire le professeur Maurice Kamto sur le plan politique, le gouvernement camerounais, avec le parti au pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement RDPC, massivement représenté au niveau de l'ECAM, majoritairement représenté au niveau du Sénat, majoritairement représenté au niveau du Parlement camerounais et dans toutes les institutions représentatives et importantes pour l'équilibre du pouvoir, a décidé d'humilier, je dis bien d'humilier, le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. À travers quelque chose que vous connaissez, ça porte un nom, c'est le contentieux électoral. En invitant des personnes telles que Grégoire Ouna et consorts, les hauts cadres du RDPC qui sont dans le droit, le gouvernement camerounais pensait humilier le MRC et principalement son leader, le président Maurice Kamto. Cela a été retourné contre le régime en place, en ce que ça a convaincu, même ceux qui avaient du mal à être convaincus. C'est depuis ce jour que la quasi-majorité des Camerounais qui étaient encore dubitatifs, tous se sont rangés derrière l'opposition réelle incarnée par le parti, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Voilà l'historique. Dans ces diatribes-là, cette guerre perpétuelle contre le MRC, il y a beaucoup de choses qui se sont produites. Puisque le MRC, on avait demandé à ce parti de faire bloc en acceptant la création d'une organisation des partis d'opposition pour combattre Paul Biya. Le but de cette manœuvre était laquelle ? C'était de diluer l'élan du MRC dans des internes oppositions politiques du Cameroun. Je vais reprendre cette phrase. Si ça continue comme ça, chers amis, on va se retrouver sur YouTube. Hein. Vous voyez que de temps en temps, le son est bizarre. Donc, la première stratégie organisée par ce système, ce gouvernement RDPC, était une stratégie d'induction. Ça veut dire on cloisonne le MRC autour d'une organisation en obligeant le MRC pour prouver qu'il est un réel parti d'opposition et qu'il est réellement engagé à prendre le pouvoir, à s'associer avec d'autres partis de l'opposition qui en réalité ne sont pas des partis d'opposition, mais sont des bras tendus, des bras tentaculaires, des bras reptiliens du même système au pouvoir, dont la mission était de créer des attributs à l'intérieur même de l'opposition pour discréditer le MRC au sein de l'opposition.
Alors, à ce moment, on allait, si le MRC était tombé dans ce piège, on allait demander le débat que vous entendez aujourd'hui, le débat entre ce député dont nous allons parler tout à l'heure et le président national du MRC, on allait demander ce débat au sein de l'opposition pour trouver un leader de l'opposition camerounaise. Et puisque les autres partis de l'opposition du Cameroun, qui en réalité ne sont pas des partis d'opposition, allaient se ranger, pas derrière le réel opposant que Maurice Kamto est, non, ils allaient se ranger derrière l'opposant fictif que vous connaissez aujourd'hui, qui a démontré en réalité qu'il est un opposant proposant. Donc, il faut comprendre ce premier échappatoire du parti. Et là, ça s'est passé. Le MRC a donc déjoué ce plan. L'élection arrive. Le MRC annonce publiquement la grande victoire du MRC, c'est la sortie officielle du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun au soir de l'élection présidentielle, dans laquelle, ou bien au cours de laquelle, il annonce solennellement le but marqué par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et confirme donc, consolide même, la victoire du MRC à l'élection présidentielle de 2018. C'est pour ça que je vous disais, c'est un événement sans précédent. C'est une chose de dire que moi j'ai gagné. Hein. Il y a d'ailleurs un opposant qui disait que Aben Zongan, c'est lui. Lui c'est lui, moi c'est moi. Qui disait que c'est soin. C'est soin. Il disait que si le jeu électoral était bien organisé, lui il allait gagner les élections. Mais ça, il le dit après, dans un plateau de télé. Mais on n'a jamais vu homme politique capable de se lever et de dire que « Mene, able, j'ai gagné ». C'était donc la première fessée politique imputée au RDPC. Vous m'entendez donc maintenant? C'est d'ailleurs pour cette raison que vous avez vu circuler ce document sur les réseaux sociaux de notre ami le député, particulièrement député, à son ami le secrétaire du parti au pouvoir, pour déplorer l'élément que je viens de vous dire là, concernant la déclaration du président Maurice Kamto de victoire au soir de l'élection présidentielle de 2018. Est-ce qu'on est d'accord maintenant? Vous commencez à comprendre? Donc, cela a coupé les mains sous le pied parce que la stratégie de mise du MRC avant de rendre public l'élection, le résultat de l'élection déjà truquée, il y avait un paquet qu'on avait conçu. Museler le président Maurice Kamto, museler ses sympathisants, obliger le parti à entrer dans l'illégalité et annoncer la victoire. Et tout ce que le président national du MRC allait venir dire allait être en réalité de la récupération et de la surenchère, de la mauvaise foi. On allait dire qu'on a déjà eu les résultats, c'est un mauvais perdant. Alors lui, il a joué le jeu mieux qu'eux. Il est donc sorti en premier à annoncer sa victoire. Donc on passe ce cas-là. Après l'élection, nous continuons. Il y a donc des éléments, au sein du gouvernement RDPC qu'on va activer sur le plan politique, qui vont dire aussi qu'ils sortent du RDPC pour venir rendre le parti principal de l'opposition, le seul parti réel de l'opposition. Ils vont donc faire semblant de quitter officiellement leur parti politique pour venir rejoindre le parti. C'est le cas au Cameroun, mais c'est aussi le cas ici en Europe. C'est le cas aux Amériques. C'est le cas dans toute ce qu'on appelle toutes les régions du MRC sur l'étendue mondiale. Alors, le MRC et le Cameroun sont confrontés à quelque chose de particulièrement compliqué. C'est le hold-up électoral. On a arraché la victoire du MRC. Alors, dans cette démarche, le gouvernement sait que sur la place médiatique, il vient en terrain étranger.
il vient en terre hostile. Il ne peut donc pas, parce qu'au Cameroun, quand vous faites un email, celui, le ministre ou bien le cadre, il ne sait même pas comment est-ce qu'on est sur un clavier, il ne sait même pas saisir. Donc, le numérique, le digital au Cameroun, c'est la sorcellerie. Ces gens sont étrangers au digital. Et le digital leur est étranger. Donc, puisque le MSC est soutenu par les jeunes qui, eux, sont massivement sur les réseaux sociaux, le gouvernement ne peut donc plus s'exprimer vis-à-vis des jeunes. Il faut donc arrêter tous les jeunes qui vont manifester une volonté de combattre le système en place. On va arrêter près de 182 personnes qu'on va envoyer en prison. On va tirer sur des personnes. On va embastiller des gens. On va faire tout ce que vous connaissez. Tout cela pour empêcher au MSC de parler, de se faire connaître. La phase a été passée, vous savez, le président lui-même est allé en prison. Quand ils sont en prison, on va commencer à travailler certaines personnes au corps. Dans le sens de reprogrammer leur système nerveux et de les ramener dans les faveurs du parti au pouvoir. C'est d'ailleurs pour cela qu'à l'époque, l'un des colocataires du président national en prison, va sortir et va totalement, son disque dur va tourner en l'envers. Il va commencer à engager des diatribes contre le président national pour déjà préparer la psychologie des Camerounais à la destruction, la décrédibilisation, la discréditation du président national du MSC. Parce qu'en Cameroun, on a fait croire aux gens, on a fait comprendre aux gens que quand on va en prison, on ne sort plus avec les mêmes motivations qu'on avait au départ. C'est vrai pour certains, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Donc, on essaie déjà dans la tête des Camerounais qui, eux, sont favorables au président Kamto, que faites attention à cet homme parce qu'il a déjà fait la prison. Et parce qu'il a fait la prison, on a fait des accords avec lui et ces accords vont l'amener à vous trahir. Mais puisque le gouvernement en place ne peut pas le dire, il ne peut donc passer par des instruments qui ont déjà été mis sur pied. Et puisque le MSC a 99% des logistiques sur le digital, les réseaux sociaux et consorts, il ne peut donc passer par des personnes qui ont été valorisées par ou bien au nom du MRC. Je veux que vous compreniez bien cette phrase. On ne peut pas détruire le MSC en passant par quelqu'un du MPC. On ne peut pas détruire quelqu'un du MSC ou détruire le président Kamto passant par quelqu'un qui est du PCRN. On ne peut pas détruire le président Kamto passant par quelqu'un qui est de l'UPC. Ainsi de suite pour tous les partis du Cameroun. Donc, pour détruire le MRC et particulièrement le président Maurice Kamto, il est fondamental que cela passe par des antennes de relais qui ont déjà été positionnées dans le psychique des Camerounais. Il faut donc retourner certaines personnes au sein du MRC pour que ces gens aient un discours contradictoire à ce qu'ils avaient avant. Je vous donne un exemple. Vous avez des anciens cadres du MRC qui, à l'époque, nous parlaient de présidents élus qui, aujourd'hui, sur des plateaux, disent qu'ils n'ont jamais prononcé cette locution verbale, qu'ils n'ont jamais utilisé ce qualificatif d'élus. C'est vrai que ceux-là font aujourd'hui chemin à part. C'est vrai que ceux-là font chemin à part. Donc, vous voyez, donc, on est obligé d'utiliser les gens qui sont dans le parti pour faire passer un message contradictoire et nuire à l'image du parti. Donc, c'est la même démarche que le parti au pouvoir, le gouvernement RDPC, utilise depuis 2018.
Et ce qui est intéressant chez ces gens, c'est qu'ils ne changent jamais la façon d'agir. Donc, quand vous comprenez ça, vous pouvez donc voir comment ils positionnent leurs pions sur l'échiquier politique au Cameroun. Alors, on a compris que la plupart des gens qui entraient dans le MRC étaient des gens qui avaient des convictions fortes. Il fallait donc insérer de nouvelles personnes qui allaient aller créer les problèmes plus tard. Et le meilleur moyen pour eux, c'était de mettre sur pied une stratégie qui allait aboutir en 2020. Décembre 2020. Mais je tousse déjà comme ça, c'est bizarre. Il fallait mettre sur pied une stratégie qui allait aboutir en 2020, en décembre 2020. Élection législative municipale. Tous les esprits complexes, disons un complexement compliqué, qui avaient été fabriqués, qui avaient été montés de toutes pièces, qui avaient une feuille de route, pour nuire au MRC de l'intérieur, ces amis politiques de l'époque qui étaient en réalité des bombes humaines à retardement n'espéraient qu'une seule chose pour que leur plan fonctionne. C'était que le MRC décide de participer à l'élection municipale et législative pour que eux deviennent des députés ou des maires pour plus tard naguer le MRC en tournant le dos au MRC. Parce que le MRC n'aurait pas engagé ce qu'il a engagé depuis des années déjà pour être sûr de participer à l'élection présidentielle à venir. Parce qu'il aurait eu la certitude qu'au sein du MRC, il y ait déjà des députés et des élus locaux. Vous comprenez maintenant? C'est pour ça que le président Kamto le dit ouvertement. Lorsqu'il arrive en Consamba, il dit que cela aurait été une catastrophe pour le parti d'avoir... Cela aurait été dangereux que le parti partât à l'élection en 2020. Parce que ceux-là, tous ceux-là qui avaient été programmés, ont échoué officiellement quand le MRC a décidé de ne pas aller à l'élection. Ils ne servaient donc plus à rien. Parce que quand le MRC ne va pas à l'élection, il faut que... prépare une autre élection. Et vous allez remarquer quelque chose. Ces gens ne militent jamais. Je vais reprendre cette phrase. Il est facile de les connaître parce que ces gens se caractérisent en ce qu'ils se distinguent en ce qu'ils ne militent jamais. Ils sont des militants de la carte. Ils sont des militants du bar. Dans les bars, ils vont vous dire qu'ils sont des conseillers du président. Dans les bars, ils vont vous dire qu'eux, ils chuchotent même à l'oreille du président. Ils vont même vous dire des conversations qu'ils ont eues avec le président. Mais ces gens, ce ne sont pas seulement les menteurs dans les bars, mais ils sont là pour un programme, un projet de destruction du MRC. Les militants du MRC qui sont là pour le bien du MRC... n'ont pas honte de parler du MRC. Les gens qui sont les militants du MRC, qui veulent le bien du MRC, n'ont pas peur de dire à qui veut l'entendre qu'ils sont du MRC. Est-ce qu'on a honte de son parti? Quelqu'un qui vient vous dire qu'il est du MRC, vous n'allez pas le tuer. Je suis sur les réseaux sociaux depuis, je vous ai dit que je suis du MRC. Et j'ai dit que sur ma page, personne ne pleure. Celui qui pleure, on le met dehors. On n'a pas que ça à faire. Donc, celui-là qui vous dit qu'il est un membre du MRC, je rappelle que vous pouvez être un membre du parti. Vous allez à toutes les manifestations publiques. On fait installation ici, vous partez. On fait installation là-bas, vous partez. Hein? C'est la présence. Pourquoi? Parce que certains viennent pour des raisons qu'eux seuls maîtrisent. D'autres viennent pour la sixième colonne. La sixième colonne se définit en trois mots. Les bureaux ou agences de renseignement. Ça veut dire bar. C'est le bar. B-A-R. Le bar. Certains pour militer pour le parti. Certains viennent parce qu'ils veulent avoir des nouveaux membres. Certains viennent parce qu'ils veulent proposer des idées politiques.
Certains viennent parce qu'ils viennent découvrir. Mais d'autres viennent parce qu'ils veulent d'abord voir les qui sont là. Ils viennent parce qu'ils veulent rendre compte. Donc, chacun vient pour son propre calendrier. Et ces gens, vous pouvez les distinguer très facilement. C'est que ces gens, quand on va parler pour défendre le parti, ils ne vont jamais parler publiquement. Parce que ceux qui les ont envoyés ne tolèreront jamais qu'ils parlent publiquement en faveur du MRC. On va vous dire, le MRC est un parti tribal. Au sein du MRC, tout le monde est bamiléké. Ils ne vont jamais ouvrir leur bouche pour vous dire ce qu'ils pensent, même s'ils ne sont pas de l'Ouest. Et pourtant, ils sont bien au sein du parti. Ils se sentent en famille au sein du parti. Mais ils ne vont jamais dire ça publiquement. Pourquoi? Parce que s'ils disent, ça va casser cette diatribe contre le MRC. Sur lequel le MRC est un parti tribal. Donc, ils préfèrent se taire et laisser qu'on attaque le MRC de cette façon-là. Donc, il faut tenir compte de cette sensibilité. Il y a une autre catégorie qui est la catégorie de téléphone. Ils viennent, ils ont 100 minutes. Dans leurs 100 minutes, ils ont 93 minutes sur leur téléphone portable. Les 7 minutes restantes, c'est quand eux, ils vont prendre la parole, quand ils vont dire quelque chose d'important. Ceux qui se reconnaissent, se reconnaissent. Je vous dis, il faut faire attention. Nous sommes dans une lutte où les gens ont perdu énormément de choses. Nous sommes dans une lutte qui ne nous concerne plus. C'est une lutte qui est plus grande que nous. Donc, ces personnes dont je vous parle ont été extrêmement dangereux dans cette démarche vers l'acquisition de la libération du Cameroun. Mais ces personnes existent encore. Monsieur, on dit professeur. Vous allez me tuer sur Facebook. En tout cas, ce n'est pas à moi que tu t'adresses. De toute façon, on continue. Donc, vous comprendrez donc que c'est ça qui explique mon life au cours duquel je vous parlais du groupe A qui avait pour mission de détruire le parti de l'intérieur et le groupe B qui avait pour mission de le détruire de l'extérieur. Les deux groupes se retrouvent au carrefour qui est le parti MRC. Donc, on ne peut mieux vous détruire quand on est proche de vous. N'oubliez pas ça. Alors, on évolue progressivement et on voit que tout ce que je vous ai dit là n'a pas détruit le MRC. On a toujours au cours de la même année, l'année au cours de laquelle le projet là devait fonctionner avec l'élection dont je vous ai parlé, il y a une calamité internationale et même mondiale qui se dresse sur la route à la fois du peuple camerounais et de l'humanité en général. C'est le COVID-19. Le COVID va amener le MRC à s'interroger. Et le président national du MRC va avoir une initiative. Et cette initiative s'appelle Initiative Cameroun Survival. L'initiative qui permettrait au Cameroun de survivre pendant cette période extrêmement dangereuse et voilà, où on a connu à la fois des dégâts liés à l'inflation, au sanitaire, voilà, vous voyez. Donc, tout était fermé en termes d'importation et d'exportation. Il y a eu tellement de problèmes liés à cette pandémie que le président national du MRC met dans son pied une initiative qui permettrait de permettre aux Camerounais de passer cette période. Ces individus disent, voilà l'occasion de déstabiliser ce monsieur. Parce que quand on parle de l'argent, c'est bien. Passant par l'argent, on peut vite... Passant par l'argent, on peut vite nuire à l'image de quelqu'un. Donc, c'était pour l'occasion donc, de frapper. C'est pour ça que, une fois que l'opération Cameroun Suivi est sortie, même ceux qui n'avaient pas d'intérêt à ce que le MRC soit un parti fort ont rejoint l'opération. Beaucoup parlaient du Cameroun Survival, juste parce qu'il faut qu'on sache qu'eux aussi en ont parlé. Mais la vérité, c'est quoi, chers amis? C'est que beaucoup parmi ces personnes ne savaient pas
Ou bien, disons autrement, beaucoup de ces personnes étaient convaincues de quelque chose. C'est que ça allait mourir comme un rat de gouttière. Ça allait mourir parce que qui connaît comme tout. Ça allait mourir parce que qui soutient le MRC? Ça allait mourir parce que ce parti a combien de personnes? On vous a dit que c'est un petit parti comme ça. Donc, il n'allait nulle part avec ça. Mais comme moi, on m'a envoyé en mission pour venir nuire à ce parti, si je ne parle pas de Cameroun Survival, on peut voir mon jeu. Donc, je peux donc venir, je danse de 6h à 6h, ou dire Cameroun Survival, pour qu'on sache que j'ai dit quand même quelque chose. C'est juste un exemple en passant. Hein. Que les personnages réels qui se sentent indexés par ce que je dis, se rendent compte de quelque chose, c'est que tout ce que je dis là, les exemples ne sont que fictifs. L'auteur tient à rappeler que les exemples qu'il prend, qui peuvent vous sembler liés à quelqu'un, n'est que pure coïncidence. Voilà. J'ai dit qu'il n'attaque plus les gens. Vous vous rendez compte de 6h à 6h. Parce que vous êtes convaincu de quelque chose, c'est que le projet là ne va nulle part. Résultat des courses. Bilan Cameroun Survival. Pam pam pam. On n'est même pas encore à 2 jours que on est obligé d'agrandir ce qu'on appelle la bande passante sur la plateforme. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de flux. Je ne dis pas qu'il y avait beaucoup de flux. Je ne dis pas qu'il y avait beaucoup de flux. Je dis qu'il y avait trop de flux. Il y avait trop de flux. Et les flux là, non? Et les flux là, ce n'est pas le flux de jeu. Ce n'est pas le flux de jus. Le flux là, c'est l'argent qui entre. C'est-à-dire, money gain side. L'argent, c'est l'argent qui entre. L'argent. Donc, ça s'aille. Les gars s'asseyent, ils sont malades. Ils tiennent une réunion à Bruxelles avec leurs amis du parti au pouvoir. Et ils ont le malheur, je peux vous dire ça aujourd'hui. Ils ont le malheur avec leurs amis au pouvoir de réfléchir comment est-ce qu'ils pourraient nuire à cette opération qui est en train de devenir un succès. Au Cameroun, au même moment, c'est-à-dire simultanément, il y a un phénomène en littérature qu'on appelle la synchronicité. Voilà. La synchronicité, c'est quand la même chose se passe ici et là-bas. Au même moment. Ils font une réunion aussi et les gars au Cameroun sont en train de travailler. Alors, le résultat du travail de leurs amis du Cameroun, c'est quoi? C'est qu'ils vont acheter les sous maçons. Avant encore le béton même à côté, il donne les sauts maçons aux gens. Pendant ce temps, le MSC est en train de compter. On est en train d'agrandir la plateforme parce que les flux ne font qu'entrer. On dit que la page est saturée, la chaîne est saturée. On achète encore le flux parce qu'il faut que ça entre. Quand on annonce, on fait le bilan. Le bilan se fait la profondeur après 12 jours, je crois. Parce que la période sur les plateformes, je n'ai pas dit le nom de la plateforme. Chaque plateforme a une période où il vous envoie ce qu'on appelle un bilan analytique. Donc, quand je vois le temps auquel, quand je vois le moment où on a fait le premier bilan, le premier compte rendu, je sais de quelle plateforme il s'agit. Donc, quand on fait le compte, quand on fait le premier bilan, ça veut dire, je sais que c'est 12 jours. Alors, quand on fait le premier bilan, il voit le montant que les Camerounais de la diaspora et même du Cameroun ont envoyé. Mais les gars sont malades. Et le summum, c'est qu'il y a un artiste camerounais qui est connu. Qui va donc faire une sortie et dit que moi, je donne 5000 euros d'abord. Juste comme ça là. Et à ce moment, les gars n'ont pas le droit de pleurer. Puisqu'il est interdit de pleurer à ce moment-là. Ils sont en train de lire l'heure. Qu'est-ce qu'ils vont donc faire? La réunion qu'ils ont faite du côté de Bruxelles, ils vont appeler quelques amis. Parce que le meilleur moyen de discréditer Cameroun Survival,
c'était de trouver des personnes qui sont expertes dans le domaine pour deux raisons. Hacker la plateforme de Cameroun Survival et ou créer un bug. Et maintenant, pour que cela marche, il fallait donc déjà, parce qu'il faut savoir comment ces gens travaillent, ils ne font pas une étape, non. Quand ils font un grand projet, on connaît le résultat. Le résultat, c'est déstabiliser le MRC. En passant par une démonstration de ce que c'est un parti de voleur. Donc, pour arriver à cela, il y a donc des étapes initiales qui se doivent d'être observées. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Première étape, ils cherchent des personnes qui vont hacker. Deuxième étape, ceux-là qui vont essayer de nuire au compte, créant un bug. Troisième étape, on crée une équipe de communication, essentiellement constituée de journalistes et de certains blogueurs et de certains avocats. L'avocat principal étant basé en France, je dis bien encore, l'auteur de ce direct précise que si les exemples que je prends ou les personnages de mon direct vous semblent familiers ou si vous vous identifiez à des personnages que je donne, sachez qu'il ne s'agit que de la fiction. Hein? C'est un pur hasard. Je vous parle des faits qui n'existent que dans ma tête. Voilà. Donc, il y a un avocat très connu qui est du côté de France. C'est un expert en... Voilà, c'est un expert en tout, même en financement politique pour certains candidats politiques du Cameroun. Il suit dans ma tête, il suit dans ma tête. Donc je rappelle encore que ce n'est que coïncidence. Si vous pensez connaître celui dont je parle, ce n'est que coïncidence. Ouais, Seigneur. Ouais, ouais. Les Camerounais, vous êtes forts. Donc, c'est-à-dire, ces avocats ont décidé de quitter l'avocatier. Ils ont décidé de quitter l'avocatier pour venir dans un domaine strictement économique. Et dans ce phénomène économique, ils poussent au niveau politique. Une fois au niveau politique, je reste dans ma chambre. On m'envoie un lien Zoom, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dans le lien Zoom, on a dit qu'on n'attaque pas les morts. Le père est mort. Madame Aïssa Toula a beaucoup insulté. Elle dit qu'elle ne cite pas les morts. Si vous connaissez quelqu'un qui est mort et vous pensez que c'est de lui que je parle, je vous dis que ce n'est que la coïncidence. Parce que moi, je parle des morts que je connais. Je parle de mes morts. Hein? Je parle de mes morts, je ne parle pas de vos morts. Donc, je reste chez moi un jour, puisque je suis quand même un journaliste, même si on m'appelle journaliste Mbrakata, dans mon mbrakatisme, je reçois donc un lien WhatsApp, un lien Zoom. Je dis, mais depuis quand l'individu-ci me fait des Zooms? De quoi s'agit-il? Parce que j'ai fui au moins 3 invitations dans des ambassades du Cameroun avec nos amis activistes. Mais ça, c'est une autre histoire. Sur histoire. N'allez pas me demander de citer le nom des activistes qui étaient là-bas. Parce que l'histoire dont je vous parle n'est que dans ma tête. Ce n'est que dans ma tête. Si quelqu'un pense que je l'ai vu dans une ambassade et que j'ai décidé de le rendre public ou de dire publiquement qu'il y était, ou bien que j'ai des photos qui l'attestent, qui n'est pas peur, qui n'a aucune peur, parce que ce que je dis n'est que coïncidence avec ce qu'il pense. Je parle des gens que j'ai vus dans ma tête, pas ailleurs. Je reçois donc le lien Zoom. Je décide dans un premier temps d'ignorer. Il dit que non, je ne parle pas, mon frère. C'est bizarre. Il va partir faire quoi là-bas? Si je m'en vais là-bas, et les gars là me piègent. Parce que vous savez comment, dans la révolution, les gars sont malins. Je peux seulement ouvrir ma caméra comme ça, on voit seulement. Parce que dans mon Zoom, il y a ma tête. Et vous savez que j'avais les cheveux comme. Si les gars là voient mes cheveux là-bas,
Ils font une capture d'écran. Je suis mort. Ouais. Donc, je dis, mais... Je dis que la qualité de Zoom, si c'est la première fois dans ma vie que j'ai transpiré avant d'appuyer sur le bouton pour entrer dans Zoom. Ce n'est pas que... Ce n'est pas un démon. C'est le bouton. Appuyer sur le bouton. Quand t'invite, tu dis oui. Et dis qu'appuyer sur le bouton entrer m'a dépassé. Le lien. Appuyer sur le lien m'a dépassé. Et dis que, mais... J'ai réfléchi. Je sors de chez moi, je m'en vais au balcon d'abord. Je prends l'air, je respire. Je dis que non, réfléchis, moi. Je dis que non, à l'heure, si c'est compliqué. Je prends mon même téléphone. J'appelle un autre ami, il dit que Mola, il est là dans le direct. Il dit que tu l'as fait, c'est compliqué. On vient de m'envoyer un lien là qui m'inquiète. On fait comment? Il me dit que gratuit, c'est le piège. C'est le piège. Mais il dit que gars, tu sais quoi? Je vais partir. Je viens donc, j'appuie sur le bouton. Quand j'entre dans la réunion, je vois donc, et mes amis avocats particulièrement particuliers, et je vois des amis journalistes, reporters extraordinaires. Je vois les gens qui disent avoir co-écrit. J'ai dit les gens qui disent avoir écrit le programme du MSC avec le président. Je vois les gens qui... Je vous dis encore tout ce que je dis là, c'est dans ma tête. Je vous raconte quelque chose qui se passe dans ma tête. Ne croyez pas que je vous parle des gens qui... Si vous connaissez quelqu'un qui est là-bas, ce n'est que la coïncidence. Voilà. On s'est vu. Je suppose que ces gens ont pris les images pour se protéger. J'ai aussi pris des images pour me protéger. Pourquoi on m'en venu, on dit que voilà le processus. Le but de la réunion, c'est quoi? Je demande. Parce que je vois des têtes un peu un jardin. On est entre nous, il faut que je sache. Non, concrètement, les gars nous annoncent que l'affaire que vous voyez là, nous sommes dans le projet, mais il y a des dangers, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Je vois donc que la manipulation était déjà en train de se mettre en place. Et ce qui me fait le plus bizarre, c'est qu'ils proposent même de soutenir des gens qui vont s'engager plus tard pour aider à mettre ça au clair. Parce que, selon eux, on ne peut pas enlever un dictateur et mettre un dictateur. On est à l'époque, hein? On est en 2020. Et il n'y avait pas encore vos amis qui disent ça aujourd'hui. C'est pour ça que quand je les entends parler, je sais d'où le discours vient. Vous comprenez maintenant? Donc, on ne peut pas dire un dictateur maintenant. J'ai dit, ah ok, je comprends. Quand je suis sorti, j'ai dit, non, vraiment, j'ai un problème de connaissance. Vous connaissez, le meilleur moyen, je vous dis le secret. Quand vous êtes sur votre téléphone là, dans la carte de réunion là, vous baissez seulement ceux qui sont sur Apple. Vous appuyez sur le mot d'avion. Votre présence dans la réunion a peut-être 10 à 15 secondes, ça disparaît. Et c'est un problème de connexion. Ce n'est pas votre faute. Tous ceux qui étaient dans la réunion là, qui pensent que je me suis déconnecté délibérément, non, vous vous trompez. Ce n'est qu'un produit de la coïncidence parce que j'ai eu un problème de connexion. J'ai tout fait, je n'ai pas pu me connecter. J'étais en mode avion. Ce n'est qu'une coïncidence. Voilà comment je sors du projet. C'est pour ça que très tôt plus tard, quand je vois que les gars commencent à sortir pour en parler, je savais d'où ça venait. C'est pour ça qu'on a commencé à parler de Cameroun Survival. Si vous repartez, suivez le direct que j'avais fait à l'époque. Constant Cameroun Survival, j'avais allé jusqu'à comment on crée la racine de la conception d'un site comme Cameroun Survival. Et je vous avais démontré que ce phénomène lié au bug est un phénomène qui pouvait se tenir. Et à l'époque... Quand j'ai dit ça, tous mes amis journalistes là ont dit que je suis un traître. Si, non, ils n'ont pas dit que je suis un traître. Ils ont dit que je ne suis pas un bon journaliste. Parce que pour eux, le journaliste ne doit pas s'engager dans la politique. Parce que le journaliste au Cameroun, c'est celui-là qui vient, lorsqu'il y a un phénomène comme cela, il vient taper sur les deux camps. Il tape sur le camp du MSC, il tape sur le camp du RDPC.
Il gagne l'argent là-bas, il mange ici. C'était le bon journaliste. Hmm? Il ne savait pas que ma carte du MS était dans ma poche depuis. Il ne savait pas ça. Ces gens ne savaient pas que ma carte du MS était dans ma poche depuis. C'est-à-dire, depuis que je souffrais encore sur les bancs là, avec docteur Boutier de Marois, à qui je passe un salut ici, on avait déjà les cartes dans la poche. Comme ils ne savaient pas alors, ils m'ont invité. Je suis venu, j'ai compris, j'ai dit qu'il va tuer, j'ai dit qu'il va tuer ça. Donc, vous voyez donc comment les choses évoluent. Voilà donc l'opération Cameroun Survival. Voilà donc l'opération Cameroun Survival qui avait été organisée. Maintenant qu'ils voient qu'il y a des gars qui connaissent la programmation informatique, qui sont dans la conception des sites internet, qui vont dire que ça c'est faux. Puisque depuis qu'on a sorti l'expertise, on leur a dit, venez avec votre audit. Je parle encore de mon ami pasteur qui a parlé d'un audit. Je sais où c'était un audit, ou c'était un audit apocalyptique, ou c'était un audit informatique, ou c'était un audit. Hein? Et si vous pensez que je parle de quelqu'un de ces, il ne s'agit là que d'une pure coïncidence. Un avocat dans ma tête à l'époque estime qu'il faut une autre forme d'audit. On était au troisième. Ça y est, on fait le premier contest. Le deuxième, il conteste. On appelle un cabinet qui n'est même plus au Cameroun, qui est du côté des États-Unis. Ça vient, ça fait, ils disent que non. On dit donc que bon, vous, faites donc votre audit et vous venez nous dire. Vous savez ce qu'ils disent? Quand je dis ils, ce n'est pas ceux-là qui sont là, comme ce sont des gens qui sont dans le parti. Donnez-nous les accès. Donnez-nous les accès. On va faire notre audit. On leur dit, pour faire l'audit, vous n'avez pas besoin des accès. Pas les accès. Il y a des niveaux d'accès. Le but, c'était quoi? C'est d'entrer et de voir les qui ont contribué. Vous comprenez? La politique, c'est pas le pouce-pion. C'était de voir. Si vous faites un audit, vous prenez la partie qui est liée à des éléments comme PayPal, PayPal, Stripe, GoFundMe, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas nécessaire que vous ayez la base de données de du site. Vous voyez la différence? Ces gens, ils voulaient avoir la liste de qui est capable de sortir autant d'argent pour faire tomber le régime. Donc, il fallait savoir qui était capable de financer autant. Parce que c'est eux qu'il faut tuer. Vous comprenez maintenant? Voilà une autre étape échouée de ce même système. On a tapé ça, on a quitté ça. Le président vient. Le charisme. Hein? Il dit le charisme politique. Il faut l'attaquer sur un autre point. Puisqu'il a battu toi en... Ok. L'autre dit que même pour envoyer les cœurs sur Facebook, on suspend les gens. Edmond, ne viens pas pleurer. Tu dis qu'on ne pleure pas ici, là. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer ici. Donc, vous voyez que voilà encore une autre démarche de ces gens qui a échoué. Une autre démarche qui a échoué. Et ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont continuer. Le président vient faire le tout et tout. Et le président, comme il est ce qu'il est, il va faire son tour. Arrivé à Paris, il va déposer une bombe. Quand il dit la bombe, c'est ce qu'il va dire. Il va arriver au Canada. C'est où il va mettre Satan 18. Parce qu'il va dire une phrase. Il va dire une phrase. C'est la phrase-là qui fait que ni les néocolons qui ont le Cameroun en main,
ni les acteurs de la politique du Cameroun, et même de l'opposition camerounaise, ne veulent accepter le président Kamto comme président du Cameroun. La guerre n'est pas contre le MRC, la guerre est contre le président Maurice Kamto. Parce que ce qu'il a dit là-bas, Assimi Goïta n'était pas encore président. N'oubliez pas que les Africains suivent les Africains. Et le Cameroun est un pays central de la géopolitique africaine, notamment des pays africains francophones. Je dis ça, je ne dis rien. Lors de sa prise de parole là-bas, il va dire ceci. Non, on n'est pas une colonie. Le Cameroun n'a jamais été la colonie de qui que ce soit. C'était un protectorat. C'était des accords. Même si on a voulu faire des polémiques sur le droit d'Aoust, le droit, c'est lui qui connaît cette expression-là. Hein? Mais il explique. Parce qu'il y a... C'est vous qui dites que c'est votre président. Moi, je dis que vous connaissez ma position par rapport à ce monsieur, par rapport à Paul Biya, qui disait que mon pays, le Cameroun, et monsieur le président, était la colonie. Non, la petite colonie. Et quand il ne s'arrête pas là, il va dire autre chose. Il rappelle que sa démarche, lui, en tant que politicien, c'est d'abord de s'inscrire dans une continuité qui est celle des Douala Mangabe, des Oumiobe. Ça veut dire que vous comprenez, quand il dit qu'il s'inscrit dans la continuité, c'est le gros français, beaucoup n'ont pas compris, dis donc. Après, il vient de pleurer. Si il dit que ne pleurez pas sur ma page. Ceux qui ne pleurez pas sur ma page. La continuité, c'est quoi? Comme on dit continue, non? Donc, ce qu'ils ont fait là, non? Lui, il continue. Mais sauf que la lutte que les Douala Mangabe menaient à l'époque ne peut pas être menée de la même façon aujourd'hui, dans nos années 2000. Alors, il amène avec une façon très soft. Il amène très techniquement. Donc, il dit donc que lui, il est un pur anti-colonialiste. C'est ça son discours. C'est donc une autre façon de dire que lui au pouvoir au Cameroun, que les colons oublient le Cameroun. Il vous parle jusqu'à Ngozodine. La nécessité des Camerounais à cette époque-là, avec Douala Mangabel, de se mettre ensemble pour combattre l'imposteur, l'impérialiste. C'est dans la continuité là que lui dit qu'il s'inscrit. Donc une fois qu'il a dit ça, les gars ont dit que voilà le danger. Lui au pouvoir, nada, jamais. Il est rentré au Cameroun, résidence surveillée. Dès qu'il est rentré au Cameroun, résidence surveillée en tout. les amis, mais il faut comprendre les choses là, dis donc. Donc je vous dis tout ça pour que vous compreniez comment les gens, chaque élément, à chaque évolution, ils mettent des cales, ils essaient de mettre des cales. À chaque élément, ils mettent des cales. Donc depuis 2022, ils ont continué dans cette voie là, dans cette logique là. Alors j'ai pris le temps de vous expliquer tout ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ceux qui ont les yeux ouverts, ceux qui comprennent le jeu politique, là, ont compris tout ça. En réalité, c'est un rappel. Mais c'est amusant de le dire parce qu'il faut qu'on rafraîchisse la mémoire des gens. Qu'ils comprennent qu'en réalité, au Cameroun, le parti qui donne le calendrier politique, c'est le MRC. L'homme qui donne le travail aux politiciens au Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto. Donc, ils ne sont plus, depuis qu'ils ont pris le pouvoir, vous voyez bien qu'ils n'ont rien réalisé. Voilà une route qui construit Douala Yaoundé depuis des années. Je n'étais même pas encore un projet pour ma famille. Il dit, mes parents ne se connaissaient même pas encore. Il dit, on ne pensait pas qu'un jour, il dit, je n'étais même pas un projet. Me voilà aujourd'hui, père d'enfant. La route, on n'a pas encore fait. On n'a même pas encore fait le cadre de la route.
rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ça veut dire qu'ils sont plus préoccupés à empêcher le professeur Maurice Kamto de devenir président du Cameroun que de faire ce pourquoi ils ont volé le pouvoir. Vous comprenez maintenant? Alors, plusieurs fois ici, je vous ai parlé de la constitution du Cameroun. Parce qu'ils ont tout essayé. Ça n'a pas marché. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on essaie d'envisager toutes les hypothèses. Quand le MSC refuse d'aller à l'élection, c'est un scandale pour eux. Parce qu'on a empêché que leur pion entre en jeu. Ils sont fâchés, ils sont tout vénères. Et ils boudent. D'autres se fâchent, ils sortent même du parti. L'autre profite, on profite pour placer l'autre au niveau du panneau. Celui qui demande le débat là, il voulait être président. Hein. Il voulait être président. Comme il a raté d'accrocher sa main en haut là, il a dit que même si j'arrête le genou de la colline, j'arrête. Puisque la colline qui monte, c'est la colline qui descend. Donc ça veut dire que le sommet de la colline c'est en haut, mais c'est aussi en bas. Donc il s'est accroché quelque part à la colline. Il est devenu grand député du monde mondial. Il touche ses 1500 euros. Il dit, il touche ses 1 500 000. Il est tranquille. Mais fondamentalement, chers amis, il faut savoir que tel qu'ils ont pris le pouvoir, arraché le pouvoir, ils ont mis des pions partout pour empêcher au MS d'avoir quoi que ce soit. Ils se rendent compte aujourd'hui en 2022 qu'ils ont été battus à tout niveau. Sans effusion de sang, sans agression, pacifique, ils ont été battus au niveau. Ils ont utilisé la puissance militaire, ils ont utilisé la puissance policière, ils ont utilisé les services de renseignement, ils ont utilisé le pouvoir du droit, ils ont manipulé la justice, ils ont utilisé la force brutale de la prison. Ça n'a rien changé. Rien. Rien du tout. Donc, ils savent, ils comprennent aujourd'hui que toutes leurs cartes sont mortes. Et plus ils font ça, plus on se rapproche vers 2025. Parce que l'objectif était qu'ils déstabilisent le MS très vite avant qu'on arrive à l'élection. Parce que si le MS était tombé depuis, on devait avoir une élection anticipée au Cameroun. Hein. J'espère que vous le savez quand même. Ah oui, oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Si le MRC était tombé depuis, l'élection présidentielle au Cameroun aurait été anticipée. Parce que si c'est Paul Biya qui contrôle ce Cameroun, on ne verrait pas le président comme ce qu'il fait. On ne verrait pas des ministres faire ce qu'ils sont en train de faire. Ça veut dire qu'avec ou sans Paul Biya, ils seraient en train de faire ce qu'ils font. Donc, ils auraient juste pu substituer Paul Biya officiellement à quelqu'un d'autre. Puisqu'ils ont essayé de créer un nouveau poste au Cameroun, ou disons d'opérationnaliser un poste, qui est celui de vice-président. Vous avez vu? Donc, c'est pour vous dire que si le MS n'était pas resté aussi fort, ces gens auraient déjà changé ou bien anticipé une élection présidentielle au Cameroun. Donc, force au MSC. Il faut respecter ce parti. Une fois que j'ai dit ça, on va conclure avec la dernière partie. Chers amis, après vous prenez la parole. L'article 6, alinéa 2 de la Constitution du Cameroun est très clair. Waouhma, c'est très clair. Parce que cet article, en réalité, donne, comme je vous ai dit au début, les conditions de vacance du pouvoir. La question de la vacance du pouvoir. Article 6, alinéa 4, voilà. On donne plein de raisons. L'élection au Cameroun. We'll be right back.
Voilà, c'est le nouveau, hein. Vous pouvez bien remarquer qu'il y a le mot nouveau. Vous voyez le mot nouveau, non? J'insiste bien que c'est le nouveau. Je vous lis donc ce qui est là. Voilà. C'est écrit. En cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu 20 jours au moins et 120 jours au plus tard, ils ont dit au plus après, l'ouverture de la vacance. Je vous invite, chers amis, les constitutionnalistes, on a des Camerounais qui sont experts partout. J'ai lu cette constitution déjà plusieurs fois. Dans cette constitution, on vous dit quelque chose comme ceci. C'est l'ouverture à un coup d'État. Je vous explique ça. On vous dit que c'est... Voilà, j'ai agrandi encore. Hein. On vous dit bien que c'est le Conseil constitutionnel qui est chargé de constater la vacance du pays, du président ou de la présidence. Ça veut dire quoi? Dans tout le Cameroun, il n'y a que le Conseil constitutionnel qui, lui, a le droit de constater la vacance du président de la République ou bien de la présidence du Cameroun. C'est bien. Mais j'ai une question pour vous, chers amis. Sur quelle base, par quel élément on passe pour constater la vacance du président, la vacance de la présidence? Vous m'avez compris? Je reprends ma question. Quels sont les éléments par lesquels le Conseil constitutionnel passe pour constater la vacance du pouvoir? Ce n'est écrit nulle part. C'est ça qu'on appelle le vide constitutionnel. C'est un vide. Qui convoque ce Conseil constitutionnel? C'est le président de la République, puisque c'est lui qui est le président de tout au Cameroun. Mais puisque si eux ils se réunissent, c'est pour constater le fait que lui il n'est plus là. Qui les convoque? Quels sont les éléments qui permettent au Conseil constitutionnel de dire qu'effectivement, on a fait ça, 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 et au vu de tout ce que nous avons fait, on peut donc aujourd'hui dire clairement qu'il y a vacance du pouvoir. Ça n'existe pas. Puisque l'article qui suit, l'alinéa qui suit, c'est la partie A. L'intérim du président de la République est exercé en plein droit jusqu'à l'élection du nouveau président de la République par le président du Sénat. Et si ce dernier est à son tour empêché par son suppléant, de la séance du Sénat. Ça veut dire que le président de la République n'est pas là. Il est même mort, c'est un exemple. Je dis bien que tout ce que j'ai dit aujourd'hui, si ça vous semble être le cas, pensez à une coïncidence. Le président de la République est mort. Le Conseil constitutionnel décide de déclarer et de constater la vacance du pouvoir. Le vice-dieu dit que au cap, Mayiki, ne tente même pas d'essayer de vouloir faire ce que tu veux faire là. Conséquence, il reste à la maison. Vous me comprenez maintenant? Donc, il n'y a aucun élément ici qui permette à qui que ce soit de savoir que puisque tel élément a été observé, ceci a été observé, effectivement, on peut déduire que le président est mort. Oui, on peut même confirmer. Mais si vous voyez comment je suis là, ça ne dit pas effectivement, ce n'est que le Conseil constitutionnel qui va venir dire que oui, comme on a vu le corps de Paul Biala, Aou, il est mort. Mais tant qu'on ne voit pas ça,
crois que le Conseil constitutionnel ne vient pas constater cette vacance du pouvoir. Mais c'est normal. C'est normal qu'il constate. Mais nous, on veut savoir quels sont les éléments par lesquels il passe pour constater cette vacance. Parce que depuis 2018 au Cameroun, ce que nous observons, les agissements de ce gouvernement démontrent effectivement que le Cameroun, comme le président du mouvement pour la Renaissance l'a dit, est comme un navire sans capitaine. Est-ce que les absences répétées, répétitives et même fragmentées, c'est même outrageuse vis-à-vis de la population, même lors de la crise du COVID-19, on a un président qui avait disparu. Est-ce que ces éléments-là permettent de se convaincre qu'on est en face d'une vacance de pouvoir? Je vous réponds non, puisqu'on n'a jamais constaté la vacance du pouvoir. Je ne suis pas le seul à penser cela. Même le président Maurice Kamto lui-même a dit que si le président de la République ne veut pas faire son travail, qu'on déclare, qu'on constate la vacance du pouvoir et qu'on passe à autre chose. Le Conseil constitutionnel, vous voulez me dire qu'ils ne sont pas sur Facebook? Vous voulez me dire qu'ils ne sont pas dans les médias? Vous voulez me dire qu'ils ne suivent pas la télé ou qu'ils ne suivent pas les sorties du président Maurice Kamto? Donc ils le savent. Ils savent bien qu'il a dit que si le président ne veut pas prendre ses responsabilités, et bien qu'on constate la vacance du pouvoir, il ne s'adressait pas à Paul Biya, il ne s'adressait pas à Ferdinand Gongo, il ne s'adressait même pas à vous, il s'adressait à ceux-là qui ont pour travail, pour mission, et bien de constater cette vacance du pouvoir. C'était une interpellation. Nous sommes en train d'observer des éléments qui nous doutent à juste titre de l'absence de quelqu'un à la tête de ce pays. Ils n'ont pas constaté de vacances. Ça veut donc dire quoi? Qu'ils ont d'autres critères qui leur permettent de déclarer la vacance du président. Mais ce n'est pas dans la constitution du Cameroun. Depuis 2019, comme tu le dis, Nana. C'est pour ça que je vous dis, si le MSC avait flanché, ils auraient mis le MSC de côté, déclaré la vacance du pouvoir et changé les choses à leur guise. Maintenant, pendant que ces gens vont commencer à tergiverser, à dire que oui, le président a fait six stadiums, fait comment, on a un moment dans la situation. Un général d'armée, un colonel, un autre Assimi Goïta, un autre chef d'armée, n'importe qui peut sortir pas. C'est-à-dire, chers amis, nous sommes actuellement à la présidence de la République du Cameroun. Nous venons de prendre la Siati Villa. Charles Dongo, vous savez que c'est un pion très important. Charles Dongo est à côté baïonné. Nous venons de prendre les responsabilités au Cameroun. Nous allons dissoudre le Parlement. Ce sera fini. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? On parle en riant, mais c'est du sérieux. Donc, ce vide-là laisse le Cameroun à la merci de n'importe quoi. Ce vide-là laisse le Cameroun exposé à la merci de n'importe quelle stupidité politique ou militaire. On est dans un pays où les gens sont en train d'être montés depuis des années, des communautés contre les autres. Le MSC fait ce qu'il peut pour se battre, pour qu'il n'y ait pas cette poussée tribale, pour qu'il y ait cette opposition des êtres humains relativement à leur origine. Mais non, on ne prend pas le temps d'observer des éléments aussi importants que ceux-là. Donc, voilà un problème sérieux. Ce qui veut dire que, jusqu'à présent, si le Conseil constitutionnel, en fonction de tout ce qu'on a pu évoquer là, de tout ce qu'on a vécu depuis 2018, un président qui tombe et qui n'entend même plus, c'est un déficit de santé, c'est un problème. Mais c'est pas grave. Pour eux, ça ne constitue pas un élément de constatation de la vacance de la présidence. Moi, j'aimerais savoir si est-ce qu'effectivement, c'est même prévu qu'il y ait vacance du pouvoir au Cameroun. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que Paul Biya n'est pas censé être président à vie? Même à mort. Hein? C'est vrai, c'est une expression qu'on ne rencontre pas généralement. Est-ce qu'il n'est pas préparé pour être président même après sa mort? Puisque tout ce qu'on a vu, il n'y a pas de déclaration de la vacance.
Il arrive dans une manifestation, celui même au palais. Les gens sont en face de lui, ils se tournent pour saluer. C'est sa femme qui le retourne pour dire que c'est pas ici qu'il faut regarder. Non, mais ils n'ont aucun signal. Il arrive que quand on lui parle, il ne comprend plus. C'est le microphone qu'il prend pour mettre à l'oreille, c'est les oreillettes qu'il prend pour mettre à la bouche. Après, c'est le microphone qu'il cherche sous la table. Après, c'est « Do you understand me ?» Vous avez besoin de quel genre d'élément? Donc, s'il n'y a pas d'éléments jusqu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de constatation de la vacance, c'est que forcément, ils ne sont pas conçus comme appareil pour appliquer cela. Donc, ils sont donc bloqués, comme je vous expliquais. Ils sont donc bloqués. Et sachant qu'on passe par la voie électorale, il n'y a pas deux partis politiques au Cameroun. Il n'y a que le MRC. Donc... Rendez-vous pour une autre séance. Voilà. Le temps est là, le compte est là. Après, le temps est parti, je vais devoir arrêter le direct. Allô, bonsoir. C'est pour intervenir? Ah, bienvenue alors. Tu as la parole. Le peuple camerounais t'entend. Bonsoir Floriane, très bien, bienvenue toi-même dans la discussion. Oui, j'étais un peu perdue là. Tu sais que je suis sortie la semaine dernière là, pour dire qu'il faut qu'ils nous annoncent les vacances de pouvoir avant les élections. C'était juste mon entrée d'introduction. Et après, je vais juste te parler, je vais d'abord dire bonjour ou bonsoir à tous les Camerounais. Ce qui se passe au Cameroun, c'est très important pour l'avenir du Cameroun. Il faut qu'on reste focus. On ne doit pas être distrait. Ou bien de ce qui se passe, on doit être focalisé sur ces gens-là. Parce que la guerre de leadership que tu vois là-bas, là, ils sont obligés d'annoncer la vacance de pouvoir. Tu comprends, Stevie? Pour que le monsieur là sorte par la grande porte, parce que s'ils n'annoncent pas la vacance de pouvoir, là, l'ombombe là va les faire ça dur. Tu comprends? Parce qu'il faut qu'il remette le pouvoir au peuple. Pour qu'il sorte par la grande porte. Parce que s'il n'annonce pas la vacance de pouvoir avant 2027, ce monsieur-là, il ne va pas tomber seul. Maintenant, je vais parler pour les dossiers. Ça fait plus d'un an. Je n'arrête pas depuis que c'est entré dans la révolution camerounaise. Je n'ai jamais arrêté de dire qu'il y a les dossiers classés. Ce qui fait que les accords qu'ils ont traités et qui ne sont pas encore bien finis, ces accords-là faits de façon qu'ils nous ont caché les accords et qu'on se retrouve dans le CFA. On ne devait pas être colonisé, on ne devait pas être dans le néocolonialisme. C'est pour ça que depuis de chaque fois quand je sors, je suis député. Je faut que parler les accords qu'ils ont cachés au peuple camerounais. Et je n'arrête pas de dire au peuple camerounais qu'il y a les dossiers classés. Parce que ces régimes-là nous ont mis ça bien profond, Stevie. Quand le Cameroun va tomber, nous tous, on aura les larmes. On va seulement pleurer que pourquoi ils nous ont fait ça. Parce que quand on parle de le cruiser, c'est les dossiers classés. On fait
pour qu'on se retrouve pendant presque 60 ans avec des colons qui ont mis le genou sur le Cameroun. On ne mérite pas ça. Maintenant, on va arrêter ça. C'est vite, je te laisse finir. Merci. Merci en tout cas pour ton intervention. J'ai vu d'autres interventions qui voulaient arriver là. Ceux qui veulent intervenir, vous pouvez appeler. Le numéro est ouvert. Ceux qui demandent le numéro de téléphone, c'est le numéro de téléphone qui apparaît juste au bas de votre écran là. Vous composez le numéro et voilà, vous êtes dans le coin, Donc, c'est un étape. Il y a un numéro qui est passé tout à l'heure. Malheureusement, il y avait déjà une internaute en ligne, donc je ne pouvais pas prendre les deux numéros en même temps. Donc, prière de rappeler, vous pouvez donner votre point de vue. Je rappelle ici que il n'y a pas de question particulière. Il s'agit pour nous de savoir ce que vous pensez par rapport à l'actualité du Cameroun. Voilà, je mets le numéro en commentaire pour ceux qui n'arrivent pas à lire. Donc, il s'agit ici de comprendre ce que vous pensez de la situation politique du Cameroun, mais surtout d'attirer l'attention en réalité sur ce qui se passe dans notre pays, le Cameroun. Parce qu'il ne s'agit pas que du Cameroun. Quand on parle de Cameroun aujourd'hui, ce qui se passe au Cameroun n'est pas... c'est pas sur une autre planète. Parce qu'il y a l'exemple du Tchad aussi que nous devrions prendre en compte avec le cas d'une modification constitutionnelle, avec un vide constitutionnel comme ce que je viens d'évoquer. Il y a le cas d'un super secrétaire général à la présidence. Il y a le cas d'une disparition bizarre d'un président de la République et la suite de l'intronisation comme président, fils d'un ancien dictateur, intronisé par le pays que vous connaissez. Si vous pensez que je parle du pays que vous pensez, je vous dis encore, ce n'est que pure coïncidence. Ici, nous, on est dans notre tête. Voilà. Donc, j'espère qu'on est assez clair. Ceux qui veulent nous donner un point de vue par rapport à ce qui se passe au Cameroun, par rapport à il faut qu'on échange les visions. Ce n'est qu'en échangeant les visions comme ça qu'on est plus fort. Ce n'est qu'ensemble qu'on est plus fort. Voilà. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais vous dire, chers amis, merci de m'avoir suivi ce soir. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotion, d'enthousiasme surtout que j'étais là ce soir avec vous. Je vous sais gré de partager au maximum cet échange, surtout pour ceux-là qui vont suivre ça en retard ou en rediffusion, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires vos propositions, nous dire comment vous avez apprécié ce qui a été dit, si vous avez d'autres points de vue, si vous avez une vision totalement différente, ou bien si vous avez dans la constitution du Cameroun, puisqu'il s'agit de la constitution aussi à la fin. Mais d'ici, dans cette constitution, vous avez d'autres vides constitutionnels comme ce que j'ai évoqué. Ce serait intéressant. Je peux aussi dire qu'ajouter à cela l'article 36 de la même constitution du Cameroun qui dit les conditions de modification des institutions du Cameroun. On reviendra là-dessus après l'intervention de l'internaute. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, vous m'entendez? Oui, bonsoir. C'est pour intervenir à l'émission? Oui, c'est pour intervenir. Allez-y, faites comme chez vous. Le truc, c'est que j'ai pris l'émission en cours de route. Hein. Non, c'est pas grave. Allez-y, ça marche, il n'y a pas de problème. Donc, je pense que peut-être que je serai à un sujet. J'ai plutôt envie de... Si vous parlez du Cameroun... Hier, si vous parlez du Cameroun, vous ne serez pas hors sujet. Parce que comme quoi, je crois que le coup du président élu leur a fait un grand mal. Le fait de dire qu'il ira aux élections. Mais je suis surpris par l'attitude de cette dame qui, il y a quelque temps, elle disait le MRC n'engrange plus d'ailleurs. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu me suis dit, parce que ça veut dire un peu. Non, je vous suis très bien. Je vous suis très bien. Le MRC a certainement 2 millions. Le reste, c'est pour eux. Donc, eux, là. Donc, si j'entends eux, j'entends qu'elle a dit RDPP, je ne sais pas, mais. Je ne sais pas. Donc, en fait, c'est cette petite vidéo que j'ai vue. Je me suis dit, non, mais c'est grave. Il y a quelques années, il me disait que les MRC n'a pas ce que je veux dire. C'est surprenant.
pour un parti qui n'a grand chose à dire. Vous allez faire quand vous faites une petite partie, vous dites qu'il rentre de l'élection. Elle a dit en 2020, hein, monsieur. Elle a dit en 2020. Hein, c'est en 2020 qu'elle a dit que le MS est en grange sur beaucoup de monde. C'est pas loin, c'est récent. Je me rappelle, elle avait elle. Tout à fait. Je me dis qu'on dit juste pour bien comprendre un peu. Pour bien comprendre un peu. Je J'arrive. Ok, monsieur, je vais... C'est une dame qui nous a souvent amené dans des couloirs où, voilà, sans technique. Donc, à chaque fois, on est un peu surpris hein, par ses sorties. Donc, franchement, je venais un peu rigoler un peu hein, à partir de cette vidéo qui j'ai trouvé un peu ironique, quoi. Voilà. Merci. Merci, voilà, monsieur. C'était un peu s'appeler... Je ne peux pas directement parler de l'émission parce que je n'ai plus d'argent. Oui, en fait, dans l'émission, dans l'émission, je parlais de la situation du Cameroun. Je parlais de l'ensemble de certains pièges qu'on a mis sur la voie du MRC. Et je parlais aussi de certaines personnes qui ont malheureusement pris les cartes du MRC, mais pas pour aider le MRC à grandir, plutôt pour déstabiliser le MRC. Il y a des personnes qu'on voit insulter, calomnier, mentir même aux gens publiquement, disant qu'ils viennent de la part du président, ils seraient des conseillers et consorts. Donc, il y a plein de choses. Il y a plein d'actions comme ça qui s'inscrivent dans le sens de cette déstabilisation interne du parti. Donc, voilà ce, en fait, ce dont je parlais. Mais vous aurez le temps de re-suivre la vidéo. Je vais prendre quelqu'un d'autre qui va nous donner son point de vue, monsieur. Bonne soirée à vous encore. Ok, merci. Bonne soirée, bonne soirée. Pareil à vous. Allô, bonsoir. C'est pour intervenir dans le cadre de l'émission. Allô? Oui, allô, bonsoir. C'est pour intervenir dans l'émission. Oui, c'est bonsoir, c'est Yves. Oui, c'est pour intervenir par rapport à l'émission. Alors, vous êtes la bienvenue. Vous avez la parole. Ok, c'est Je te remercie pour le travail d'intérêt que tu as là-bas. C'est magnifique pour la sensibilisation. Merci. Bon, j'ai, je ne sais pas si on peut appeler ça question, mais déjà, j'ai deux petites remarques que je voulais faire, en fait. Déjà, ça concerne le mécanisme de reconnaissance de la vacance au pouvoir, en fait. Tu as soulevé un truc très important. Nous, on s'est dit, bon, on se base toujours sur l'article 6 de la Constitution, paragraphe, article 6, paragraphe 4. Tu crois bien? C'est ça, non? Effectivement. Bon. En fait, apparemment, ce n'est pas suffisant. Que faut-il d'autre pour reconnaître la vacance au pouvoir? Ça, c'est la première, bon, la première question. Appelons ça la première question. Et deuxièmement, je ne sais pas, tous ces petits mascarades qui se déroulent actuellement chez Ngongo, je ne sais pas. Aujourd'hui, Vincent disait qu'il est retourné au boulot. Mais depuis qu'on parle, je n'ai pas vu une seule photo de la résidence de Ngongo en secret. Lorsque le président élu était en résidence surveillée, nous avons tous vu, c'était là, tous les jours, on est possible de filer devant lui. Est-ce que toi, tu as vu une photo de la résidence de Ngongo en secret? Deuxième question. Bon, exactement. Et en fait, c'est tout. Et bon, et la dernière observation que moi, je voulais faire, c'est franchement, arrêtons de nous occuper de Karine. Arrêtons de parler, c'est nous qui lui donnons de la visibilité. Laissons-la dans son show. Il s'agit d'une histoire du destin de 27 millions de Camerounais. Des gens sont assis au show en Europe, ils bavardent, ils se donnent de l'importance. Pourtant, au pays, personne ne les gère. Nul n'est au courant d'eux. Mais ils font le petit bruit. C'est là comme ça, cela avait un impact sur le destin des Camerounais au pays. Donc moi, je voudrais vraiment qu'on arrête de parler d'eux. Que ce soit Mars, que ce soit Calibri, que ce soit Calibri. Arrêtons de parler de ces gens-là. Franchement, ils sont là pour nous distraire. Heureusement que le MSA a compris cela depuis. Le MSA a tracé sa route et il suit le chemin tracé. Peu importe ce qui s'en va, c'est pas là pour. Ils en voient. Ils savent où ils vont au sein du MSA. Et aussi, je voulais aussi te dire merci pour le lien d'hier. Bon, en fait, je me suis affilé au MSC. Aïe, attends que demande au couloir qu'on applaudisse un peu là. Mais comment il n'y a pas le son? Attends, pardon, on doit applaudir, mais sérieux. Ça va être trop vite. Non, attends. C'était rapide, en fait, c'était rapide. Et ça se faisait par PayPal, c'est sûr. Non, mais c'est bon, c'est ça mon type. Donc, tu peux me dire dans quel. Tu es dans quel. De quel côté? C'est du côté de l'Europe? Moi, c'est en Afrique.
À Stuttgart. Oh, ça c'est bien. Ça c'est bien. Donc je vais appeler ton départemental. Je vais lui dire que voilà, on a un nouvel AP. Non merci. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, de rien, de rien, Steve. Super. Donc, s'il te plaît, tu peux apporter quelques petits éclaircissements sur les points que j'ai soulevés? Effectivement, je vais commencer par la fin. Je vais faire comme un expert au Cameroun. Lui, quand il était en seconde, il corrigeait les livres d'histoire, les livres de mathématiques de première. Hein. Donc, c'est un monsieur qui a 800 idées par seconde. Mmh. Il va commencer par la dernière préoccupation concernant cette femme-là. Je n'ai pas parlé d'elle aujourd'hui, en tout cas. Donc, j'ai dit aujourd'hui que si quelqu'un a l'impression que je parle de quelqu'un qu'il connaît, ou bien de lui-même ou d'elle-même, qu'il sache que ce n'est que la pure coïncidence. Hein, donc, d'abord. Maintenant, l'autre point, c'est que il est important quand même qu'on dise au peuple camerounais, parce que ceux qui sont au Cameroun n'ont pas la même force de résilience que nous. Ceux qui sont au Cameroun ne sont pas aussi, bon, je ne peux pas dire aussi investis, mais ils n'ont pas les mêmes libertés que nous autres en Europe, nous avons. Donc, il est important qu'on sache que la politique du Cameroun aujourd'hui se passe beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Et ceux qui sont sur les réseaux sociaux sont en train de polluer les réseaux sociaux pour empêcher que le message qu'on passe pour aider à comprendre la réalité du terrain soit dites. Et c'est dans ce sens-là que certaines personnes s'inscrivent. Donc, c'est important pour nous, de temps en temps, de prendre leur discours et de mettre pour que vous sachiez. Et avec le temps, quand vous-même vous revenez sur les vidéos, vous dites, mais ce n'est pas ce qu'elle a dit hier. Ce n'est pas ce qu'elle a dit avant-hier. Donc, c'est important de le mettre pour que les gens gardent une certaine chronologie sur la force des archives. Bon, maintenant, la question qui venait avant, la précédente, c'était concernant Ngongo. Avec la photo. Il faut savoir que le gouvernement camerounais procède de trois façons. Humiliation, moquerie. Après la moquerie, vous allez voir qu'il y a la colère, la sanction, la répression. Après la répression, tout revient au calme. Soit ça revient au calme parce qu'eux, ils ont gagné, soit ça revient au calme parce qu'ils ont perdu. Je vais expliquer autrement. Tu as fait un parallèle avec la personne du président du gouvernement pour le Cameroun, le président Maurice Kamto, avec son assignation à résidence surveillée. Le fait que les images passent sur les réseaux sociaux n'avait qu'un seul but pour le gouvernement en réalité. C'était d'humilier le président du mouvement pour la résidence du Cameroun. C'était l'humiliation qu'il visait. La répression, vous avez vu comment on a fait disparaître des personnes comme le professeur Alain Fauré qui en réalité venait pour instaurer la paix. Sans armes, sans violence et consorts, la répression. Maintenant qu'ils ont vu que tout cela n'a servi qu'à renforcer l'image et la confiance derrière le président Maurice Kamto, ils ne pouvaient plus rien. Les choses sont rentrées à la norme. Ils étaient obligés de quitter. Donc, c'est pour que tu comprennes qu'on ne peut pas mettre l'image du domicile de Ferdinand Ngongo publiquement parce qu'on n'est pas dans la volonté de l'humilier. Je suis dans la posture que Ferdinand Ngongo plus la dérogation permanente de signature font de lui, en réalité, ce personnage-là, le situe de Toubia au Cameroun. Si quelqu'un, le seul moyen de faire tomber Ferdinand Ngongo, c'est de lui enlever la dérogation permanente de signature. C'est de l'enlever en tant que secrétaire général de la présence du Cameroun. On a eu plusieurs secrétaires généraux de la présence du Cameroun qui sont aujourd'hui en colocation avec des cafards et des souris du côté de Kondé Nguéyo au Cameroun. Il y en a qui étaient même plus puissants que lui. Si on veut parler aujourd'hui en termes de puissance politique, Ferdinand Ngongo n'a eu cette aura qu'après un certain moment. On a connu un certain Mbengo qui aujourd'hui cohabite avec des cafards et des souris d'une certaine taille du côté de Kondé Nguéyo. Je parle juste comme ça un peu pour mettre un peu du lyrique là-dedans. Mais en réalité, vous comprenez que si Paul Biya voulait faire tomber Ferdinand Ngongo, il n'y avait qu'à dire à Ferdinand Ngongo attendre qu'il rentre chez lui le soir. Et le matin, quand il se réveille, il entend qu'il y a un nouveau remaniement ministériel. Quand il est sorti de chez lui, il se rend compte qu'il est déjà encerclé par le corps policier, l'armée et consorts. Donc, il ne peut pas être plus puissant que le président. Mais si aujourd'hui, on est incapable de l'arrêter et même de l'intimider et qu'il aille vaquer à ses occupations comme il veut, c'est parce que le pouvoir qu'il a aujourd'hui le substitue au président.
Et s'il a le pouvoir du président, qui dans le gouvernement qui est en dessous du président est capable de l'arrêter? Personne. C'est donc une supercherie. Voilà comment je vois ça. Donc, l'autre point, la première question que tu as posée était la question liée à la Constitution. C'est ça, non? Ou je me trompe? Oui, c'est ça, justement. Oui. Tu peux la reprendre un peu? Justement, moi, en fait, on parle de la vacance au pouvoir. Qui constate la... Nous savons tous que c'est le Conseil constitutionnel qui reconnaît la vacance au pouvoir. Mais quel est le mécanisme de reconnaissance de la vacance au pouvoir? Parce que le président l'a dit depuis 2019, le pouvoir est vacant. On n'a pas le Cameroun, c'est comme un navire sans capitaine. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut-il donc pour reconnaître la vacance au pouvoir? Oui, la... oui. Qu'on a au palais d'étudier, chercher l'homme, s'il n'est pas là, on dit, OK, il y a vacance au pouvoir. Quel est le mécanisme de reconnaissance de la vacance au pouvoir? La constitution du Cameroun, en son article 6, est clair. Il énonce trois faits. Trois possibilités de déclaration trois raisons de déclaration de la vacance du pouvoir. Le premier, c'est le décès. Il y a la maladie et il y a la démission. Alors, voilà ce qu'ils disent. Si le président meurt, il y a vacance du pouvoir. Si le président est empêché parce que l'état de santé est dégradé, je vais vous dire qu'il est dans un état végétatif, par exemple, parce qu'un homme qui est dans un état végétatif ne peut pas mener les fonctions régaliennes d'un président de la République. Donc, dans un état végétatif. Parce que ceux qui disent qu'il est, disent qu'il est végétatif. Alors, s'il est dans un état végétatif, il devrait avoir vacance du pouvoir. Ou bien il démissionne. Il n'a pas démissionné. Alors, on dit que le Conseil constitutionnel devra donc à ce moment-là déclarer ou bien constater la vacance du pouvoir. Mais la question que moi-même je posais lors de cette vidéo, c'était effectivement de dire que comment nous procédons pour savoir que le Conseil constitutionnel déclare la vacance du pouvoir. Quels sont les éléments qui leur permettent de déclarer le pouvoir? Puisque le président était malade, plusieurs fois. On nous dit que le président est vieilli. Même ses amis, les biaïstes, nous disent qu'il est malade. Ce n'est plus lui qui contrôle le pays. L'autre a pris le pays en otage et il veut ma mort. C'est là le chef de ces biaïstes qui le dit. Ce n'est pas moi. Je cite quelqu'un cela. Donc, la maladie est connue de ce monsieur. Mais ça n'a pas suffi pour qu'il y ait déclaration de vacances. Il n'a donc jamais démissionné. Donc, il ne reste qu'une hypothèse. Même s'il est mort, ils ne déclareront pas la vacance. Puisque la maladie n'ont pas déclaré, il n'a pas démissionné, il est incapable de gérer le pays, mais il n'y a pas constatation de la vacance. Donc, il y a des éléments que nous ne comprenons pas. Comment est-ce que cela procède pour constater la vacance du pouvoir? Est-ce qu'il y a d'autres signaux qui, eux, les intéressent pour la constatation de la vacance du pouvoir? Ça, personne n'est au courant, parce que dans la Constitution, ça ne figure pas. Donc, c'est une question que seuls ceux qui ont écrit ce texte-là peuvent te dire. Surtout l'intention qu'il y a derrière ça. Donc, j'ai l'impression que cette constitution a été écrite, cet article-là particulièrement, parce que devant, c'est bien mentionné « nouveau ». Ça a été donc ça a été introduit plus tard. Il y a celle de 72 que vous connaissez. Donc, forcément, je suis de cet avis-là que c'est une constitution, c'est un article qui a été mis sur pied pour perdurer, parce que le président n'est pas conçu au Cameroun pour démissionner. Vous avez vu quand on a demandé à un ministre quelconque de la place au Cameroun s'il va démissionner, il a demandé aux journalistes s'ils sont fous. Moi, démissionner. Hein? Donc, ce n'est pas un concept chez nous. On ne démissionne pas. Il démissionne comment? Il ne comprend pas qu'on demande qu'il démissionne. Donc, si lui, le simple ministre n'est pas capable de comprendre le sens du mot démissionner, ce n'est pas le président qui est son supérieur qui le comprendrait. Donc, lui, il ne va pas démissionner non plus. Et on dit qu'il n'est pas mort. Donc, il est vivant, mais il n'est pas là. Donc, voilà. Ça fait que c'est une question qui reste ominose, mon frère. Merci pour le décryptage du message de fin d'année de notre champion. Donc, j'espère que tu auras le temps et que tu sacrifieras un peu ton temps pour nous faire un petit décryptage. Espérons surtout que Facebook me laisse. Espérons surtout que.
Thank you.